Ah, vous l'avez attendu cette vidéo, hein? Messieurs, dames, bien bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Bienvenue, depuis tellement longtemps, dans ma cuisine. Ouais, comme ça, ça rend pas trop du rêve. Messieurs, dames, oui, bienvenue pour l'épisode 3 de Taki Chef. Vous avez tellement été nombreux et nombreuses à me demander à chaque fois, en stream, en DM Insta, Twitter, même sous les vidéos YouTube, à quand Taki, un nouveau Taki Chef. Messieurs, dames, c'est aujourd'hui. Pour ceux qui ne connaissent pas la série Taki Chef, on avait déjà fait le ramen des Shiraku du coup dans Naruto. On avait déjà fait aussi le Senku Cola de Dr. Stone que vous avez surkiffé les vidéos. J'ai eu que des bons retours. Donc écoutez-moi bien, messieurs, dames. Tout prend son sens aujourd'hui. Bombardez les likes de fou si vous voulez un autre épisode. Parce que je sais que c'est un concept que vous kiffez de ouf. Donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à exploser la barre des pouces bleus. Vous n'en remercierez jamais assez. Et puis, on sait pas, peut-être qu'il y aura un quatrième épisode. Et pourquoi pas par la suite avec un guest. C'est à vous de voir. En tout cas, messieurs, dames, vous l'avez vu au titre, aujourd'hui on va s'attaquer à la licence de Demon Slayer, alias Kimetsu no Yaiba, et plus précisément au bento de Rengoku. Vous savez ce petit bento quand il le graille et qu'il fait... Je sais que vous l'avez tous fait derrière votre écran. Donc tout simplement, messieurs, dames, aujourd'hui, incroyable, 3 plans de caméra, 1, 2 et 3. Tu n'avais pas vu venir celle-là, hein. Donc, messieurs, dames, voilà, je vais vous montrer à peu près tous les ingrédients. J'espère que vous allez bien voir à chaque fois. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait ça. J'espère que ça va être bien être cadré. Au niveau des ingrédients, on va avoir du riz qui va être la base de notre bento. Juste aussi, on va avoir ce qu'on appelle du bœuf à l'oignon, entre guillemets. Il va y avoir du gingembre rouge, donc ce qu'on appelle du gingembre mariné. Vous allez avoir aussi des oignons verts qui va y avoir dedans. Et vous allez avoir El Famoso F Mollé. Pour ceux qui avaient regardé ma vidéo sur le ramen de Naruto, vous savez très bien, j'ai une grande histoire avec F Mollé que j'ai oublié de mettre dedans. Cette fois-ci, il n'oubliera pas, il est là. Bon, dans tous les cas, messieurs, dames, nous avons du bœuf. Hop, comme ça, nous avons du bœuf. Faut savoir que pour une personne en général, vous avez 200 grammes de bœuf, c'est amplement suffisant. Moi, j'ai pris l'équivalent de 350 grammes. Ça va le faire. Au pire des cas, je ne mettrai pas tout. Nous avons aussi besoin de tofu. Donc, il faut savoir que je n'ai jamais mangé de tofu de ma vie. Mais là, dans tous les cas, ça devrait être assez facile parce qu'il y a juste besoin de snacker d'un côté, c'est-à-dire le faire cuire d'un seul côté. On va avoir aussi des oignons verts que je vais vous montrer par la suite comment ils vont servir de condiment. On va avoir un oignon sain. Voilà, un oignon. Vous dites comme vous voulez, c'est bon, laissez-moi faire la liaison. Nous allons avoir du saké. Mirin, vous dites comme vous voulez. Bon, comme ça. Du coup, ça va servir un peu, entre guillemets, saké de cuisson, voilà, c'est à peu près le même style pour les personnes qui utilisent genre du vin rouge pour le bourguignon. C'est le même principe, absolument. On va avoir du dashi. Le dashi qui est de la poudre de poisson. Ça pue sa mère. Je vous le dis, ça pue sa mère, c'est horrible. Et du coup, ça se présente, voilà, sous forme de... Ah, j'ai fait tomber. Voilà, ça se présente sous forme de petites graines. C'est de la poudre de poisson qui sert bah, du coup à la cuisson, pour les bouillons, etc. Du coup, on va avoir El Famoso, les œufs mollets que j'ai laissé mariner toute la nuit, du coup, dans de la sauce soja. Pour ceux qui veulent savoir, j'ai utilisé de la sauce soja sucrée parce que je n'aime pas la sauce soja salée. Je sais qu'il y a des personnes qui vont dire « Non mais Taki, mais sérieux, la sauce soja sucrée, normalement, ça n'existe pas au Japon. Tu manges des sushis à la sauce soja sucrée, mais oh là là, c'est blasphème. » Je fais ce que je veux, ok. Du coup, voilà ce que ça donne en les laissant mariner toute une nuit, voilà, dans de la sauce soja. Ça, ça va servir pour le dressage à la fin. On va avoir du gingembre rose. Donc, il n'y avait pas de rouge, il n'y avait que du rose. Donc, j'ai utilisé ça pareil pour le condiment. Et là, on va avoir du gingembre simple. Et ça, ça va servir aussi pour le bouillon de la viande par la suite. Du coup, qu'on va faire cuire directement avec. Et puis, El Famoso, sauce soja sucrée, du coco, le meilleur. Bon, avant tout ça, la première étape à faire, vu que on va faire après couper la viande, la faire mariner, etc. Qu'est-ce qui prend un peu de temps à faire? C'est le riz. Donc, on va s'occuper du riz tout de suite. Hop. Par contre, pour le riz, j'ai pas genre en mode des dosages, des grammes, je le fais toujours à l'œil, j'ai fait ça toute ma vie. Donc laissez-moi tranquille. Pour ceux qui disent, non mais Taki, c'est une tasse, une moitié de tasse de riz avec une tasse et demie d'eau. J'ai toujours fait à l'œil, ça a toujours été extrêmement bon. Je fais pareil, ok. Je viens mettre mon riz. Enfin, ça va être amplement suffisant. Pour avoir l'aspect un peu riz, ce qu'on appelle le riz gluant, vous savez, pour le riz sushi, là c'est du riz simple, mais il va falloir le laver pour vraiment qu'il y ait, je sais plus comment on appelle ça, mais un peu, tu sais, les impuretés, la farine du riz, tout ça, qui s'enlève tout simplement. Il va y avoir du coup le riz qui va avoir cette fameuse liaison qui va se faire un peu coller du coup. Je le lave, je le frotte. N'hésitez pas à le faire au moins deux fois, comme ça vous allez avoir un bon résultat. Déjà, vous pouvez voir que l'eau est beaucoup moins trouble. Je sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais en tout cas, je peux vous confirmer que l'eau est extrêmement moins trouble. Bon, on va mettre ça directement à chauffer. Voilà. Comme ça, le temps que le riz se fasse, on va s'occuper du coup de la viande, de la bidoche. En vrai,
je pense pour moi ça va être amplement suffisant. Juste cette partie là, let's go. Du coup, il va falloir couper ça en fines lamelles. Vous allez voir, par exemple, dans tous les cas, je pense que beaucoup de personnes ont déjà goûté ce qu'on appelle le buffalo oignon, à peu près dans ce style-là. C'est des tranches vraiment très très fines. Donc, on va essayer de faire la même chose. Dans tous les cas, j'ai aiguisé mon petit couteau. Normalement, tout devrait être carré. Oh, regardez comment ça coupe bien. C'est tellement satisfaisant. Ok, hop, voilà. En attendant, je vais réserver ça dans une assiette. Maintenant, on va s'occuper de l'oignon qu'on va couper assez grossièrement parce que pour pas avoir des fines tranches qui vont être directement carbonisées si on la fait cuire tout à l'heure dans la sauce avec la viande. Donc des grosses lamelles, ne l'oubliez pas. Normalement c'est dit que pour une personne vous pouvez utiliser la moitié de l'oignon. Moi perso j'adore l'oignon, je vais en mettre un entier, ok? Ok, on a notre oignon. Ensuite on va attaquer du coup à l'oignon vert. L'oignon vert, faut savoir qu'on va pas tout manger ou juste cette partie là, on va avoir besoin de la partie du milieu, juste là en fait. Cet endroit là, ça va être surtout entre guillemets pour le condiment, pour décorer. Dans tous les cas, vous allez voir. On va commencer du coup par couper le haut, le bas si c'est possible, va falloir couper en biseau, c'est à dire va pas falloir couper ça droit, mais légèrement en biais comme ça. Ok, donc vous devez avoir cet aspect là, du coup en biseau. On fait pareil pour le deuxième parce qu'on en a besoin de deux. Maintenant on va s'occuper du tofu, messieurs dames. Alors à ce que j'ai compris, il va falloir un peu le déshumidifier. Voilà, il va falloir que je coupe en fait un morceau. Il va falloir que je l'enveloppe dans du sopalin, histoire que l'excès d'eau qu'il y a à l'intérieur, ben, pas qu'il s'évapore, mais qu'il s'enlève petit à petit. Voilà, c'est toujours mieux. Je sais pas si ça sent quoi. Oh, ça pue pas. J'ai jamais senti de tofu. Vous voyez quand même qu'il y a de l'eau. Ouah, sa mère, je pensais pas autant. Voilà. On a notre morceau. Et maintenant du coup il va falloir le plaquer entre deux feuilles de sopalin ou peut-être deux doubles feuilles, vous avez capté. On va comme ça, c'est amplement suffisant. Et du coup, comme ça, je le réserve histoire que ça absorbe un peu le restant d'eau. Maintenant on va s'occuper du coup du gingembre qu'on va aller rajouter dans la viande tout à l'heure pour le bouillon, etc. Donc je vais en prendre un tout petit peu. Il va falloir que je le hache en fait cette fois-ci finement parce que ça va mariner du coup tout à l'heure dans la sauce. Faut savoir que le gingembre, je crois que j'ai jamais goûté, mais c'est pas spécialement bon, je l'ai fait parce que vas-y c'est dans la recette mais... Je vous jure, ça sent le produit vitre. Je vous jure, ça sent le produit quand tu laves les vitres. Je pense que c'est amplement suffisant. C'est peut-être un petit peu trop, mais vas-y, on va faire avec. Je le hache un peu. Ok, bon, le gingembre, c'est bon. On l'a réservé. Let's go. Maintenant que le riz, vous voyez qu'il commence un peu à bouillir amplement, donc on voit l'eau qui s'évapore. Pour finir la cuisson, on va venir mettre un couvercle. Hop, on voit bien que l'eau s'évapore. Du coup, ce qu'on va faire, on va mettre un couvercle et bon, on va le mettre à feu moyen. Bon, maintenant qu'on a notre oignon vert, nous avons le gingembre, nous avons le dashi, donc qui est la poudre de poisson, notre viande, le riz qui va finir de cuire. Mais cela, on est parti pour la bidoche. On va venir mettre du coup 2 cuillères à sauce soja sucrée. Du coup, bah, si vous voulez mettre de la salée, vous pouvez, mais bon, en général, moi, je l'ai dit encore et encore, j'adore la sauce soja sucrée. Donc on est parti. Et puis une. Et deux. Vous pouvez aussi mettre 2 cuillères à soupe d'eau pour pas que la viande tout simplement elle se caramélise. Voilà, avec la sauce soja sucrée, ça veut dire que ça va commencer à bouillir à l'intérieur, donc ça va cuire avec l'eau et la sauce soja. Donc vous pouvez en rajouter 2. 1. Et 2. Ok. J'avoue que là ça sent pas grand chose, mais vous allez voir, tout va prendre son sens juste après. On va venir du coup déposer notre petite viande. Vous avez vu, j'ai pris les petites baguettes. Donc on va venir déposer ça dans notre casserole. Hop, on peut voir que notre riz est presque cuit. Hop, on va laisser couvercle et éteindre le feu. Comme ça, le riz, il est prêt. Vous allez voir qu'il va être incroyable. Du coup, comme vous pouvez voir, la viande commence à cuire. Du coup, je l'ai mis à feu moyen. Je sais pas si vous allez bien le voir à la caméra. On va laisser ça dorer tranquillement. Et ensuite, on va venir rajouter tout ce qui est l'oignon, on va rajouter aussi tout ce qui est la poudre de dashi, on va rajouter aussi le gingembre, le mirin, et puis on va laisser bouillir ça tranquillement, et puis tout va commencer à la préparation. Le temps que la viande cuit, c'est encore une fois le meilleur moment pour vous dire que si vous kiffez la vidéo, messieurs dames, et ce concept, si peut-être vous êtes nouveau, n'hésitez pas le pouce bleu et me dire aussi en commentaire la recette
prochaine que vous voudriez que je fasse, mais pas une recette un peu useless. Voilà, Rengoku, son bento, c'est quand même quelque chose qui a été marquant, que ce soit dans le film Le Train de l'Infini ou encore dans la saison 2, le début. Et puis écoutez, si vous avez quelque chose, une idée comme ça, n'hésitez pas, je regarderai ça attentivement. Hop, le temps que ça continue à cuire, on va rajouter notre cuillère du coup de mirin. Donc je rappelle, c'est du saké entre guillemets de cuisson. On va mettre notre cuillère à soupe. On va venir du coup aussi ajouter notre petit gingembre à la mixture. On commence à mélanger un peu le tout. Maintenant, ce qu'il va falloir mettre juste avant l'oignon, c'est la poudre de dashi, donc la poudre de poisson. Je rappelle, c'est la poudre qui pue sa mère. Ah, oh, ça pue. Après, moi, je suis pas quelqu'un qui adore le poisson, etc. Vous allez me dire, bah t'as qui, pourquoi t'en mets? C'est dans la recette, mon ref. Donc, faut le mettre. Je suis vraiment pas confiant là-dessus. Hop, et on va pouvoir rajouter les oignons qui vont se mariner dans la sauce. Hop là. Alors, regardons un peu notre riz. Regardez-moi ce beau riz, messieurs, dames. Quand je vous dis, moi j'ai pas besoin de dosage, etc. pour savoir la cuisson du riz et tout. T'inquiète, mon ref. À l'œil, t'es pro ou tu l'es pas. En attendant, pour le dressage, on va voir du coup, comme je vous avais dit tout à l'heure, les deux petits oignons verts. On va commencer à couper un peu de gingembre rose pour tout simplement le condiment, le dressage. Là, je vais mettre un tout petit peu parce que du coup, ça va être en condiment. Donc, je vais le manger, quoi. En tout cas, je vais essayer. Ok. Je vais couper grossièrement dans leur moitié. Ça, c'est fait. On mélange notre viande. Je ne sais pas si vous allez voir, mais les oignons commencent à caraméliser un tout petit peu. Donc, ils commencent à se ramollir. Hop, on va laisser encore mijoter ça un peu. Bon, on va commencer tout doucement le dressage du bento, messieurs dames. Je vous montre mon bento. Hop, et vous avez en plus cuillère et les deux petites baguettes. C'est trop bien, hein, ces petits bentos là. Hop, mais ça, on va pas en avoir besoin. J'ai déjà mes baguettes. On va venir mettre notre riz. Comme ça, il attend un peu de tempérer, tu coucou. Faut vraiment étaler ça sur le tout. Ok, en vrai, ça va, hein. Bon, c'est que du riz, mais pour le moment, vas-y, ça ressemble à quelque chose, tu vois. On vient éteindre le feu. Comme ça, maintenant, on va finir de mariner dedans. Bah, sachez que pour l'instant, ça sent giga bon de fou. Vraiment. Mais j'espère que le goût sera au rendez-vous comme l'odeur, en vrai. Bon, on va regarder aussi notre tofu. Où il en est? Ah oui, ah ouais, ça a vachement bien absorbé quand même. Ok. Ok, on a notre tofu. Nickel. On va le couper une première fois en deux. Cette partie-là, en soi, on va pas en avoir besoin. Je le mets là. Et celui-ci, on va le couper aussi dans la longueur. Ok, vous devez avoir en gros ce résultat. Donc là, hop, bon là c'est l'extérieur et là c'est l'intérieur. Je vais le mettre dans la casserole pendant qu'il est à feu éteint et je vais faire pareil avec les deux petits oignons verts. Histoire que ça s'imprègne un tout petit peu de la sauce. Ok, donc on va voir un peu que notre tofu a commencé à colorer aussi et le temps qu'on laisse à là, on va commencer à dresser notre viande dans notre bento. Alors, n'hésitez pas à être généreux sur plus du quart de la moitié de votre bento, bien étalé. Ok, donc voici pour le moment le résultat. Hop, donc juste là, on va mettre notre petit œuf mollet. Cette fois-ci, je ne l'oublie pas, messieurs dames. Alors normalement, c'est pas les deux moitiés, hein, c'est juste une moitié d'œuf mollet. Alors attention, ça va débouliner. Oh là 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 là, oh là là, il est trop beau. Surtout mariné, regardez-moi ça. Magnifique. On va le mettre là. On va mettre notre tofu, nos deux oignons, notre tofu. Oh non, mon œuf, ne t'écrase pas. Ok, juste là, on va rajouter notre petit gingembre. Messieurs, dames, voici notre bento de Rengoku. En vrai, c'est plutôt appétissant, non? Moi, je kiffe, hein. Bon, messieurs, dames, maintenant, la chose la plus importante, c'est... Est-ce que c'est bon? On va commencer par goûter la viande. Est-ce qu'elle est bien cuite ou pas? Comme dirait Rengoku. Alors, elle est peut-être légèrement un peu trop cuite, mais le goût, moi qui avais peur pour le poisson, on sent rien du tout. Au contraire, ça rajoute trop un truc. Est-ce que notre riz est bon aussi? Ok. Ok. Notre petit oignon. Avec de la viande. Oh. C'est trop bon. Je vais prendre un petit morceau de gingembre avec de la viande. On va voir ce que ça donne. J'ai un peu peur du gingembre. J'ai des très mauvais souvenirs avec. C'est moins pire que je pensais. En vrai, c'est moins pire. Et du coup, messieurs dames, aussi pareil.
le tofu que je n'ai jamais goûté de ma vie. C'est parti. C'est pas mauvais, ça n'a pas spécialement beaucoup de goût. Mais encore une fois, c'est un condiment. Et la chose que j'attendais, messieurs, dames, l'œuf, t'es mal, l'œuf mollet, mariné dans de la sauce soja. Faut pas que je le casse, faut pas qu'il tombe parce que j'aurais trop le seum. C'est bon. Je mange devant vous, hein, nickel. Bon, messieurs, dames, bien sûr, je vais pas finir mon repas devant vous. J'espère en tout cas que vous avez kiffé cette vidéo. Moi, ça m'a fait du bien de refaire un Takeshef. Ça faisait longtemps que vous m'avez demandé d'en refaire, hein, tout simplement. C'est aujourd'hui. En tout cas, encore une fois, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, le pouce bleu à fond. Cassez la barre des pouces bleus. Et surtout, dites-moi une recette que vous aimeriez peut-être que je fasse tout simplement en vidéo. Et dans tous les cas, les recettes qui seront le plus likées, ça sera les plus intéressantes, sûrement. Donc, n'hésitez pas à liker les commentaires qui vous plaisent pour les recettes. Et sur ce, messieurs, dames, je vous souhaite un bon appétit. Si vous mangez peut-être devant la vidéo, peut-être désolé à ceux et celles à qui j'ai donné faim. Mais moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et sur ce, messieurs, dames, comme d'habitude, ciao. Placing on the track, boy.